Shirata Konam en 2001. Évidemment, je prononce mal vu que je ne parle pas l'indonésien. Ce miracle eucharistique a été reconnu le 5 mai 2001 à Trivandrum en Inde. Dans l'hostie, on peut voir une image d'un homme comme celui du Christ couronné d'épines. À ce jour, l'hostie est toujours conservée dans l'église. Le pasteur de l'église où ce miracle eucharistique est arrivé a déclaré ce qui suit. Le 28 avril 2001, dans l'église Sainte-Marie, à 8h49, je prends le Saint-Sacrement dans l'ostensoir pour l'adoration du peuple. Après un certain temps, j'ai vu ce qui semblait être trois points sur la Sainte Hostie. Puis je me suis arrêté de prier et j'ai regardé l'ostensoir et invité également les fidèles à admirer les trois points. Alors j'ai demandé aux fidèles de continuer à prier et de garder l'ostensoir dans le tabernacle. Le samedi matin, le 5 mai 2001, j'ai ouvert l'église pour la célébration liturgique comme d'habitude. Je porte une robe et je suis allé au tabernacle pour voir ce qui était arrivé à l'Eucharistie. Tout de suite, j'ai remarqué dans l'hostie une figure semblable à un visage humain. J'ai tellement été touché au fond de mon cœur que j'ai demandé aux fidèles de se mettre à genoux et de commencer à prier. Je voyais le visage de Jésus-Christ sur l'hostie, mais peut-être que j'étais le seul à le voir. Alors j'ai demandé à un homme qui était là ce qu'il voyait. Il m'a dit « Je vois la figure d'un homme ». J'ai remarqué alors qu'un autre fidèle était complètement abasourdi, le regard fixé vers l'ostensoir. Nous avons commencé l'adoration. Et plus les minutes passaient, plus l'image devenait évidente. Je n'ai pas eu le courage de dire quoi que ce soit et je commençais à pleurer. Dans l'adoration, nous lisions un passage de l'Écriture. Les lectures du jour étaient l'Évangile de Saint Jean, chapitre 20, qui raconte l'histoire quand Jésus est apparu à Saint Thomas et lui a demandé de vérifier ses blessures. Pendant mon homélie, je n'ai pu dire seulement que quelques mots. Et comme je devais aller immédiatement dans une autre église à côté pour célébrer la messe, j'ai immédiatement convoqué un photographe pour capturer les images de la Sainte Eucharistie. Au bout de 2 heures, toutes les photos ont été prises, et plus le temps passe, plus les visages de chaque photo devenaient de plus en plus nets.